Hi, welcome back to the Daily Herald. I'm managing editor Perry Bergson. We've had a special guest in our newsroom for the last 3 weeks. He's going to be with us for another week. He is from 2 hours south of Paris, and we're going to have him just chat a little bit in French about his time here in Prince Albert. So, with no further ado, Guillaume Rivain. Bonjour, je m'appelle Guillaume Rivain, donc je viens de France, j'ai 16 ans, j'habite dans une petite ville autour de 10 000 habitants, à 2 heures au sud de Paris. Donc c'est étonnant parce que ma ville et Prince Albert se ressemblent énormément de par à la proximité avec la rivière. Chez nous, c'est le fleuve la Loire, et également parce que notre ville est bâtie sur une colline. Donc je suis ici pour un mois, un peu plus d'un mois, et je fais 3 semaines de travail au Prince Albert Daily Herald. So c'est très bon, c'est une très bonne expérience professionnelle parce que ça me permet de comparer les différences avec le journalisme en France et au Canada. Et ça me permet aussi d'apprendre beaucoup, d'améliorer beaucoup mon anglais, ma compréhension. Puis c'est de plus en plus fluide avec le temps. Donc, Prince Albert, c'est une ville d'environ 35 000 habitants, basée dans le Middle Saskatchewan, sur le bord de la North Saskatchewan River. Et c'est une ville très tournée vers la nature, de par ses parcs nationaux, ses longs chemins de randonnée, très beau, très belle diversité, autant dans la faune que dans la flore. J'ai beaucoup apprécié ça et j'apprécie encore ça dans la ville, autour de la ville. Les différences entre les espèces de fleurs, de plantes et les différentes espèces animales, c'est vraiment génial. Après, je suis ici donc pour un peu plus d'un mois. Je reste dans 4 familles différentes. Et si vous avez la possibilité de faire un voyage comme ça, franchement, faites-le. C'est bien mieux de rester dans plusieurs familles différentes plutôt que de rester toujours dans la même famille, parce que ça permet de voir que toutes les familles ne font pas comme la première famille chez laquelle vous allez. Par exemple, si vous restez que dans une famille, votre esprit va se focaliser sur la famille chez laquelle vous étiez, alors que si vous allez dans plusieurs familles, ça permet vraiment de voir toutes les facettes de la culture du pays dans lequel vous êtes. Donc pour moi, la culture canadienne. Culture canadienne qui, contrairement à ce qu'on pense en France, on pense que le Canada est un pays bilingue, ça parle français, au Québec ça parle français. Donc on pense que le Canada, c'est une partie de la France. Et c'est pas du tout ça. La culture canadienne et la culture française, c'est vraiment différent. C'est également très différent de la culture états-unienne, américaine, comme on veut. C'est plus le Canada, si vous voulez. J'ai beaucoup vécu ça lors de mon premier voyage au Canada, parce que j'ai pu voir les États-Unis et le Canada. Donc, et c'est vraiment le Canada, j'ai trouvé ça comme le mi-chemin entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est vraiment plaisant pour moi, et c'est vraiment plus axé vers la nature, les grands espaces que les États-Unis. Enfin, que les endroits où je suis allé aux États-Unis, tout du moins.